Je voudrais vous dire que je suis très content des résultats qu'on a obtenus avec le programme Savoir Maigrir, mais je crois que ce n'est pas bien que je vous le dise moi. Je pense que ce qui est mieux, c'est de vous montrer des gens qui l'ont suivi et leurs témoignages qui sont totalement authentiques. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans, je viens de Strasbourg. Je suis secrétaire dans le maintien à domicile des personnes âgées. J'ai décidé de maigrir parce que je suis très gourmande. Et j'ai toujours fait le yo-yo. Un jour, je me suis dit, oui, il faut que je trouve la solution. Et j'ai vu le docteur Cohen à la télé et je me suis dit, bon, bah ça y est, c'est lui qu'il me faut, je vais m'inscrire. Et j'ai commencé 2 jours après le programme de Savoir Maigrir. J'ai perdu 12 kilos en 4 mois. L'objectif était 6 kilos. J'ai perdu 6 kilos en 5-6 semaines. Et ça marchait. Le programme marchait tellement bien que j'ai décidé de continuer de perdre 6 kilos de plus. Ben oui, c'est moi avant, moi après. Ce n'est pas la même personne, je ne suis plus la même personne aujourd'hui. Il faut impérativement que ça continue ainsi. Donc le programme Jean-Michel Cohen, je continue. C'est pas top, hein, mais bon, je n'ai pas l'habitude de me faire filmer moi. Ben, y a un suivi, on n'est pas toute seule, il y a la communauté, il y a l'application sur le téléphone. Et ça, c'est très important puisqu'on peut consulter son téléphone à tout bout de champ. En faisant les courses, en faisant sa marche quotidienne, ben, j'écoute les webinaires que je n'ai pas pu regarder le soir, la chaîne YouTube de Jean-Michel Cohen, ses émissions sur Europe 1, enfin voilà, il est avec moi jour et nuit. Je suis ravie de tout le programme, que ce soit les webinaires, le guide d'achat, le plan des repas, les recettes, la liste des courses. Tout m'a plu. Quand on fait ses courses et quand on ne sait pas quel aliment prendre, ben, il suffit d'aller dans le guide d'achat sur l'application et donc on a la réponse de suite à sa question. Au niveau des plans repas, c'est vrai que je consulte tout le temps. Déjà le matin au réveil, lors du petit déjeuner, je regarde la vidéo du jour et je continue, ça va être toute la journée. Alors le matin, quand je me lève et que je me regarde dans le miroir, je me dis que je peux être fière de moi parce que j'ai réussi à perdre tout mon poids et je suis prête à suivre mes plans de repas régulièrement pour ne pas reprendre de poids. Le soutien des diététiciennes est très important puisque peu importe la question qu'on a, en posant la question, on a tout de suite la réponse. Alors que ça soit par l'application, les webinaires, la communauté également, de voir qu'on n'est pas seul, c'est très important. Alors le webinaire se passe tous les lundis avec Jean-Michel Cohen et les jeudis avec les diététiciennes. Et donc à ce moment-là, on a une demi-heure pour poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Et soit Jean-Michel Cohen, soit les diététiciennes répondent en direct. Lorsqu'on ne peut pas le voir, on peut le regarder plus tard en replay. Déjà, j'ai 43 ans aujourd'hui, je sais enfin quels sont les aliments que je peux manger sans aucun souci. Et la quantité. Parce que c'est vrai qu'on a souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas les quantités, on ne nous donne jamais les quantités. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, le bien-être, la confiance en soi, mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Et forcément, les gens autour de moi, ils sont ravis de voir que j'ai pu perdre tout ce poids. N'hésitez surtout pas à suivre le programme de Jean-Michel Cohen. Ce n'est pas un régime, ce n'est qu'un rééquilibre alimentaire. J'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez vous aussi des conseils personnalisés, alors vous pouvez faire un bilan minceur gratuit ici. À très bientôt.